Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, je suis hyper tendu. Qu'est-ce que je risque? Eh bien, c'est la question que je vais poser au professeur Jacques Blacher. Vous êtes cardiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris. Je suis hyper tendu. Est-ce que c'est grave finalement? Qu'est-ce que je risque? Alors, on va faire le listing des complications de l'hypertension artérielle, mais on va terminer par une bonne nouvelle. Alors, le listing des complications de l'hypertension artérielle, c'est des maladies horribles, puisque lorsque vous êtes hypertendu, vous augmentez votre risque de faire un infarctus, de faire de l'arythmie cardiaque, de faire de l'insuffisance cardiaque, de faire de l'insuffisance rénale, donc la dialyse, la transplantation, de faire un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire d'être hémiplégique, de faire une hémorragie intracérébrale. Vous risquez d'avoir des anévrismes au niveau de vos artères, notamment au niveau de l'artère aorte. Vous risquez de déchirer votre artère par une dissection aortique. Bref, toute une série de complications extrêmement dangereuses, potentiellement mortelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans le monde plus de 10 millions de décès à cause de l'hypertension artérielle. Et puis, si vous êtes enceinte, eh bien, l'hypertension artérielle va générer toute une série de complications, à la fois chez la mère, mais aussi chez le fœtus. Et c'est aujourd'hui la première cause de morbi-mortalité maternelle et fœtale. Mais il y a une bonne nouvelle. Alors ça, c'est, oui, ça, c'était la liste des mauvaises nouvelles. J'ai plombé l'ambiance. Mais là, ouais, il y a voilà. Une bonne nouvelle, qui est que si vous réduisez vos chiffres de pression artérielle avec un traitement, et dans le traitement de l'hypertension, il y a les médicaments et puis il y a les aspects non médicamenteux. Et ce n'est pas exclusif. Hein. Chez certains patients, c'est les uns. Chez les autres, c'est les autres. Eh bien, vous allez réduire de façon extrêmement importante ce risque de complications. Donc oui, c'est une maladie grave, mais c'est une maladie qui peut être traitée et dont on réduit les risques de complications par le traitement. Voilà, prenez en charge votre hypertension artérielle. Il n'est jamais trop tard pour le faire.